présentation du mini-atelier de fabrication d'orgone. Voilà, donc j'ai rassemblé tout le matériel que j'ai pu acheter pour la fabrication d'orgone et j'ai mis ça sur un petit meuble, histoire de travailler un petit peu mieux que par terre. C'est toujours mieux d'être debout pour travailler. Donc voilà les orgones que j'ai commencé à faire. Ça, ce sont les trois premières. Ça, c'est la première orgone que j'ai faite, pyramide d'orgone. Alors, j'ai essayé de la poncer, de la polir, mais je n'ai pas l'appareil à polissage. J'attends le kit. Donc là, c'est normal que ce soit un petit peu trouble. Mais sur cette face, on voit bien que c'est transparent. Je l'ai pas poncé. Je mets bien en face. Voilà. Donc celle-là au milieu, il y a un motif de forme géométrique sacrée. Et des pierres. Donc, le deuxième modèle, ces deux-là, je les ai fait en même temps. Donc là, j'ai rajouté des colorants. En haut, il y a un cristal et du cuivre. Bon, il va falloir peut-être que je trouve du fil plus fin parce que c'est un peu gros quand même le 2,5. J'ai fait avec ce que j'avais. Voilà, donc là il y a les motifs, les formes à géométrie sacrée. C'est assez sympa, c'est une pochette de 80. Là, ce sont des chakras, des motifs pour les chakras. Représentatif de chakras. Alors, il y a les 7 chakras. Ah non, c'est pas celui-là. Et c'est celui-là. Là, j'ai rassemblé les 7 chakras. Pour pouvoir faire des pastilles pour les chakras. Mais là, j'ai déjà des moules où les symboles sont déjà écrits. Donc là, j'attends les stylos, les feutres couleur or, pour pouvoir colorier à l'intérieur, juste sur les symboles. Et ensuite, je vais mettre la résine avec le colorant et les pierres, les couleurs correspondant au chakra. Et je ferai des sets comme ça. Voilà les pierres. Voilà, j'en ai commandé quelques-unes pour essayer quoi. J'en attends d'autres. Là, c'est du cuivre. Des copeaux de cuivre que j'ai récupéré. Là, j'ai encore quelques. Bon, c'est pas une réussite, hein. c'est les premiers essais. Voilà, on voit qu'il y a des bulles. Il y a des bulles à la surface. C'est peut-être pas assez mélangé, pas assez attendu. Mais c'était pas la même résine que celle-là. Et celle-là, apparemment, elle est de meilleure qualité. Elle fait moins de bulles, j'ai l'impression. On verra bien. Ouais, parce que c'est cette résine que j'ai utilisée pour ça. Oui, il y a quand même des bulles en haut. Mais c'est pas le. Je sais plus. Non, ça doit être l'autre résine. Il y a des micro-bulles. Ah mince, il y a des micro-bulles.
Il va falloir que je trouve la technique. Hein. Voilà, donc là, ça c'est les colorants. Petite boîte de 18 colorants. Alors là, c'est un raté complet. Peut-être pas, en le pensant. Ouais, je sais pas ce que j'ai fait. Je l'avais pas bien rempli. Donc j'ai voulu mettre du pape du scotch autour et puis le remplir sur ici. Manque de peau, ça a coulé sur les côtés. Je l'ai retiré trop tôt. Bon, enfin là, c'est vraiment un raté, quoi. On verra si je peux arriver à le récupérer. C'est dommage parce que la forme, elle était sympa. La forme géométrique. Voilà, donc là, j'en ai fait deux pendentifs. Dont un autre que je porte sur moi. Oui. Ah, il est derrière. Hop. Là, je vais... Voici. Donc voilà, c'est facile à faire. Hein. Une fois que c'est sec, que c'est pas tout à fait sec, que c'est solide, on va dire. Il suffit de visser les crochets et ensuite de mettre ceci, le fermoir. J'en attends d'autres modèles. Voilà, j'attends des modèles comme ceci. Je suis commandé. Voilà, ça c'est un pendentif orgone que j'ai acheté, qui était déjà fait. Mais apparemment, ils sont un petit peu plus larges que les miens. Un petit peu plus large, ça dépend du moule. Voilà, ben j'attends encore d'autres moules. J'attends des moules pour fabriquer un jeu d'échecs complet, des dessous de plat, des stylos. J'attends des moules pour fabriquer des stylos et aussi des dessous de verre et de bouteilles. Je pense que je vais bien m'éclater. Voilà. C'était la présentation de mon mini atelier de fabrication d'orgone.